Salut Youtube, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc ça sera un tutoriel, forcément. Nous sommes en plein de confinement, donc on ne fait pas ce qu'on veut. Donc je vais essayer de me concentrer euh, en ce moment sur les vidéos. Ça sera beaucoup de tutoriels, forcément, bah oui, euh, confinement, on ne peut pas aller au stand de tir. Bien malheureusement, je n'ai pas encore ma maison, donc je ne peux pas improviser mon stand de tir en attendant. Donc on va faire des tutoriels. Alors on va voir, hein. je ne promets rien, je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Donc bien sûr, il y aura le réglage de la détente de la CZ527. Et donc on va déjà commencer par le démontage, remontage de la culasse. Donc cette carabine a été fabriquée bien sûr en plusieurs calibres différents, comme en l'occurrence le 222, mais aussi dans d'autres contrées, souvent aux États-Unis par exemple, bas le 223. En France, c'est rare qu'on... Alors ça arrive, mais c'est très rare que les gens prennent des carabines à verrou. En 223 Remington, mais aux États-Unis, ça arrive beaucoup. Forcément, déjà la classification des armes n'est pas la même. Enfin, plutôt la classification du calibre. Voilà. Donc pour faire, on va faire simple. Donc on va déjà faire un début sur le démontage. Donc je vais utiliser seulement mes mains. Certains vont utiliser un bout de bois pour démonter le percuteur. On va voir après pourquoi. Moi, je vais essayer de faire sans parce que. Il n'y a pas besoin, il y a juste à avoir un peu de poigne. Donc pour ça, on va déjà retourner la culasse de ce côté-là. Pourquoi Parce que je suis droitier, donc j'ai plus de force dans la main droite. Donc je vais simplement utiliser ma main gauche comme support. Donc on va déjà prendre l'écrou du percuteur qui se trouve là, et on va lui faire faire un quart de tour sur la gauche. Donc c'est soit vous, vous levez légèrement et vous faites un quart de tour, ou soit vous faites tout seul le quart de tour, ça va venir tout seul. Voilà. Alors que pour le réactiver, il faut lever, voilà. Donc là, avec deux doigts, ça vient tout seul. Là, on va pouvoir, donc il faut vraiment le mettre jusqu'au bout hein, pour retirer la poignée de la culasse. Donc ça vient tout seul. Et si jamais ça ne vient pas, vous tirez un petit peu. On va pouvoir sortir donc notre percuteur avec son ressort. Donc là, on va se retrouver avec l'extracteur. Donc c'est la culasse mobile avec l'extracteur et la note percuteur. On peut mettre là, on n'en a pas besoin. On va maintenant se retrouver avec notre percuteur. Ici, on va avoir l'appui du ressort percuteur et juste là la sûreté de la poignée. Là c'est simple. Certains vont utiliser les mains et d'autres vont utiliser en fait un espèce de support en bois. Un peu comme le la crosse d'un 98K en fait, où on va venir dessus faire pression. Donc moi j'avais fait. Une petite vidéo sur le démontage de la culasse du 98K. C'est un peu le même système, sauf que là, forcément, la crosse de la CZN n'en est pas équipée. Donc on va devoir faire sans. Il n'y a pas besoin d'outils. Hein. C'est vraiment à la main, vous pouvez le faire. Pour ça, alors bien sûr, essayez de faire ça dans un endroit propre. Surtout, ne lâchez pas l'appui du ressort. Va falloir lui faire faire un quart de tour sur la droite ou sur la gauche, mais surtout. Alors, il n'y a pas une pression énorme, c'est juste un ressort. Mais évitez de perdre la pièce. Parce qu'après, s'il faut aller voir l'armurier pour qu'il commande. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que la pièce, vous ne l'aurez pas sous deux jours. Alors en ce moment, vous allez me dire, c'est pas trop grave parce que vous ne pouvez pas tirer. Mais bon, ça serait bête de perdre une petite pièce alors que. Donc c'est pour ça. Moi, là, c'est un plan de travail qui est tout blanc. Même si jamais il part, bon, je le retrouverai tout de suite. Mais en l'occurrence, il n'y a pas à le perdre. Donc, je vais me servir de ma main gauche comme support. Là, on va déjà tirer le ressort en fait avec la main gauche. On pousse et on fait un quart de tour. Voilà. On récupère en fait l'appui du ressort. Notre ressort et la sûreté de la poignée. Voilà. Donc le démontage est fait. A partir de là, vous pouvez faire votre nettoyage. Bien sûr, aucun intérêt à démonter votre culasse à chaque séance de tir. Ce n'est pas comme un canon. C'est pas comme le boîtier, il n'y a pas besoin de la démonter à chaque fois pour pouvoir nettoyer. A la rigueur, un tout, une petite goutte de WD40 vous faites sécher, point, ça s'arrête là. Voilà. On se retrouve à tout de suite pour le remontage. Donc on se retrouve pour la seconde et dernière partie de la vidéo. Donc très simple, on va passer au remontage de la culasse. Donc déjà, petite information. Quand je nettoie mes culasses, je nettoie toujours avec du WD40, un peu comme toutes mes armes d'ailleurs, que ce soit les canons, les boîtiers. J'essuie correctement. Et à chaque fois à la fin, en fait, je mets une petite couche d'huile, vraiment une fine goutte, juste pour graisser. Et vu que je ne sais pas combien de temps mes armes vont rester au corps, parce que je n'utilise pas toujours les mêmes armes, je mets une fine goutte d'huile en fait, pour les protéger. Là, en l'occurrence, quand vous allez remonter votre percuteur, évitez de mettre de l'huile. Simplement parce qu'il va falloir le remonter. Et donc si vous commencez à mettre de l'huile maintenant, il y a de fortes chances que les pièces, surtout le ressort et ici l'appui du ressort, viennent vous glisser entre les mains. Ça serait bête. Donc si jamais vous avez envie de mettre une goutte d'huile, faites-le après. Donc on va passer au remontage. Donc pour ça c'est simple. Là on va venir remonter sur le percuteur la sûreté de la poignée. Pourquoi sûreté de la poignée Hop c'est elle qui maintient en fait la poignée en place. En bidex, on s'en fout, peu importe le côté. Puis de toute façon, on peut la faire tourner sur elle-même. On la fait glisser, on vient mettre notre ressort. Mais juste avant, ce qu'on va déjà constater, c'est que sur le percuteur, le percuteur est profilé. Hop, mise au point. Ici, on va pouvoir voir poil du chien. Ouais, poil du chien un peu partout. Là, vous avez des arêtes, juste là. Bien sûr, si on le profile de ce côté-là, c'est bien lisse. Donc on va venir céder en fait de ça pour pouvoir venir l'enfiler dessus. On met notre ressort. Donc la partie pleine de notre appui de ressort en fait, la partie pleine ici, c'est la partie extérieure. C'est celle qui va venir se mettre. Voilà ce qu'il ne faut pas faire, perdre la pièce. C'est elle en fait qui va se mettre à l'extérieur. Donc ici. Voilà. Donc à l'intérieur, ce n'est pas carré, mais légèrement rectangle. Donc, on met. La partie légèrement profilée. On met notre ressort et là, on va lui faire faire un quart de tour. Bien sûr, faut il faut qu'il passe les deux encoches. Utilisez votre main la plus forte pour pouvoir l'enfiler. Conseil après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Une fois qu'il a passé les deux encoches, vous lui, faire, vous lui faites faire en fait un quart de tour vers la droite ou vers la gauche. Et une fois qu'il est en place, il n'y a absolument aucun risque. A partir de là, on remontre notre percuteur en fait dans la culasse mobile, donc là c'est très simple. On prend notre culasse de ce côté-là. Notre percuteur de ce côté-là. Juste avant. un indice. Là, on va venir mettre le trait de la sûreté de la poignée au même niveau que ce trait-là. Voilà, s'il veut bien faire la mise au point. Voilà. Là, on va essayer de venir l'aligner normalement on tombe juste une fois qu'on l'enfile dedans voilà et là on peut remettre notre poignée et là on refait un quart de tour vers la droite en tirant vers l'arrière voilà la culasse est prête à être remontée sur la carabine donc voilà donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu Surtout n'hésitez pas si jamais j'ai émis un détail ou j'ai oublié la moindre... Voilà, on ne sait jamais, ça peut arriver, hein, personne n'est parfait. Les vidéos sont là pour expliquer si jamais vous avez le moindre problème, mais il se peut que dans une de mes vidéos, j'ai oublié quelque chose. Donc surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Sur ce, je vous laisse. Allez, ciao tout le monde.